Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Antiquum, le podcast qui vous parle du marché de l'art, des antiquités et de tout l'univers autour des arts décoratifs. Vous le savez peut-être déjà, mais en cette année 2021, nous célébrons le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Il est décédé exactement le 5 mai 1821, sur l'île de Sainte-Hélène. Et je souhaite consacrer ce nouvel épisode, non à la fin tragique de l'empereur, mais plutôt à l'art sous le Premier Empire. L'art, sous l'influence de Napoléon, a vraiment été mis au service du pouvoir. Il a trouvé dans les arts une occasion d'affirmer la puissance et la grandeur de son règne. Vous écoutez Antiquum, et en écoutant ce podcast, vous allez plonger dans le quotidien de Français, de Parisiens, au tout début du 19e siècle, souhaitant oublier toutes ces années de convulsions de la Révolution. Nous sommes en 1799, 10 ans après la prise de la Bastille, et un jeune général corse vient de commettre un coup d'État mettant officiellement fin à la Révolution française. Il faut bien comprendre qu'en l'espace de quelques années, la Révolution a bouleversé durablement notre société. Elle a aboli définitivement la société d'ordre et les anciens privilèges. D'une monarchie absolue de droit divin, la France est d'abord devenue une monarchie constitutionnelle, pour finalement proclamer dès 1792 la Première République. Quelques mois plus tard, la Révolution s'est emballée et s'est mise en place la politique de la terreur. Nous, les Français, nous devions prouver notre soutien coûte que coûte à la Révolution. Sinon, on devenait suspect et on risquait la guillotine. Cette politique de la terreur a évidemment créé des tensions au sein de la société française, entre compatriotes. Dans certaines régions, on a assisté à des guerres civiles. Par ailleurs, outre ces tensions internes, la France a également dû faire face à des guerres extérieures. En effet, l'exécution du roi Louis XVI a entraîné les foudres de toutes les monarchies d'Europe contre la France. Elles lui ont déclaré la guerre. Et toutes ces tensions, malgré la fin de la terreur et la proclamation du Directoire en 1795, ne se sont pas éteintes. C'est dans ce contexte qu'un homme, Napoléon Bonaparte, général de grande armée, déjà très populaire dans les milieux politiques en raison de ses victoires militaires, parvient à se hisser en haut du pouvoir. Suite à son coup d'État, il met en place un nouveau régime, le consulat, dont il prend la tête avant de finalement proclamer l'Empire. Par ses actions, Napoléon travaille dur, il s'emploie à rétablir la stabilité du pays, à relancer l'économie, à maintenir les acquis de la Révolution. Mais il sent que ça ne suffit pas pour asseoir sa légitimité au pouvoir. Cette légitimité, elle lui manque puisqu'il a pris le pouvoir par la force. Il décide alors d'utiliser l'art comme un instrument de propagande. Et l'œuvre qui en témoigne le plus est certainement le tableau « Le Sacre de l'Empereur Napoléon » peint par David et conservé au Louvre. Ce tableau représente la cérémonie du sacre qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804, et plus particulièrement le moment où l'empereur couronne son épouse. Mais, en réalité, il s'agit seulement d'une reconstitution. Par exemple, dans ce tableau, la mère de Napoléon est représentée assise au milieu, alors qu'elle n'était même pas présente à la cérémonie, car elle était fâchée contre son fils. De même, certains ambassadeurs ont été rajoutés parmi la foule pour donner l'impression qu'ils soutiennent ce nouveau régime. Dès le départ, tout est mensonge. Il s'agit clairement de l'archétype du tableau de propagande. Après la peinture officielle, Napoléon s'intéresse à l'architecture. Il voit grand, même très grand. Il se préoccupe très tôt de notre chère capitale, Paris, qui, faut le dire, est en partie détruite. C'est l'une des malheureuses conséquences de la Révolution. Beaucoup d'immeubles ont été saisis et déclarés biens nationaux. Des hôtels particuliers appartenant anciennement à l'aristocratie ont été entièrement pillés. Certains sont totalement laissés à l'abandon, faute de moyens pour les restaurer. La majorité des quartiers sont sombres, les ruelles sont étroites. Je ne vous conseille pas de vous y promener la nuit. Les agressions y sont fréquentes. Hébété par la situation,
le jeune Corse souhaite que cela change rapidement. Il veut doter la France d'une capitale digne de ce nom, faire de Paris la nouvelle Rome. Et pour ce faire, il s'adresse à deux architectes, Pierre Fontaine et Charles Percier. Dans ce duo, chacun joue un rôle précis. Pierre Fontaine est clairement celui qui dirige les chantiers. Il est fils d'un entrepreneur et a appris à gérer une société, à établir notamment la comptabilité. Il est également celui qui entretient le lien, la correspondance avec les commanditaires. D'ailleurs, il est dans ce duo d'architectes l'unique interlocuteur de Napoléon et a seul le titre d'architecte officiel de l'empereur. Mais le véritable génie de ce duo, en réalité, c'est Charles Percier. Étant plus discret et venant d'un milieu plus modeste que Fontaine, il préfère rester dans l'ombre et ne cherche pas les honneurs. Mais le développement du style dit empire, c'est bien lui. À savoir un style inspiré de la Rome impériale avec ses proportions colossales et ses lignes droites. Lauréat du prix de Rome, Percier est un dessinateur hors pair, extrêmement créatif. Et ensemble, le binôme, Percier et Fontaine, lance des chantiers d'embellissement de la capitale. Ils élèvent des monuments de prestige, tels que l'Arc de Triomphe du Carrousel. Ils ouvrent des perspectives majestueuses, comme la rue Rivoli. La rue Rivoli, cette grande artère longeant l'ancien palais des Tuileries et le Louvre. Le Louvre baptisé alors Musée Napoléon, où sont conservés les butins des campagnes d'Italie, d'Égypte et d'ailleurs, ainsi que les biens du clergé et des émigrés saisis sous la Révolution. D'ailleurs, Percier et Fontaine consacrent également une grande partie de leur carrière au réaménagement de cet incroyable musée, musée qui attire de plus en plus les habitants souhaitant y admirer les tableaux et sculptures. Percier et Fontaine y définissent la construction d'une aile et réaménagent de nombreuses salles comme celle des cariatides. Ainsi, on peut vraiment affirmer que grâce à cette politique de grands travaux, lancée par Napoléon et menée par ce tandem d'architectes, Paris se transforme. En revanche, malgré la proclamation du consulat puis de l'Empire, certaines choses ne changent pas à Paris. Malgré tous ces nouveaux travaux, le cœur battant de la ville reste le Palais Royal. Le Palais Royal, depuis 1780, constitue le cœur, le centre de la vie parisienne. Haut lieu de luxe, de la mode, des divertissements et surtout des plaisirs. Toutes les catégories de la population s'y pressent, de jour comme de nuit. Bourgeois, financiers, soldats en permission, ouvriers, artisans et même prostituées. Dans la journée, il règne une ambiance plutôt familiale. Les citadins s'y rendent pour faire leurs emplettes. Près de 400 boutiques y sont installées. Modistes, bijouteries, libraires ou encore épiceries fines. Il y en a pour tous les goûts et il est impossible que vous ne trouviez pas votre bonheur. Depuis peu, les cafés et restaurants s'y multiplient. Tous ces établissements sont richement décorés pour attirer la clientèle. Faux marbre, objets antiquisants. L'idée est de donner une impression de luxe. Les miroirs sont particulièrement appréciés. Ils permettent d'une part de donner l'illusion d'une boutique plus étendue, mais offrent également la possibilité aux passants de s'observer discrètement et remettre, si nécessaire, de l'ordre dans leur tenue. Car sous l'Empire, on soigne sa toilette. Se trouvent désormais derrière nous les heures sombres de la Révolution et de la Terreur. On veut oublier. L'heure est à la gaieté, à l'insouciance. La vie est enfin plus douce, plus légère. Et les vêtements doivent refléter ce nouvel état d'esprit. Les femmes s'habillent à l'antique, s'inspirant des vestales. Elles portent des robes légères, fluides, ceinturées sous la poitrine, ainsi qu'un châle très coloré, suivant la mode lancée par Joséphine. Tandis que les hommes s'habillent dans un style plutôt anglais, viril. Ils portent une redingote et un pantalon ajusté glissé dans des bottes cavalières. Hommes et femmes se pavanent ainsi le jour dans leurs plus belles tenues sous les arcades du Palais Royal ou dans le jardin central. En revanche, dès la tombée de la nuit, il règne une toute autre ambiance, une ambiance festive et désinvolte. On y croise des hommes de tous milieux, bourgeois, soldats, ouvriers, qui viennent s'encanailler, s'offrir des instants de plaisir dans les maisons de jeu, dans les cafés sélects, ou encore dans les bras des prostituées. On dépense sans compter. Après les privations du passé, la société parisienne se laisse aller à vivre dans l'instant, avec l'acharnement d'une revanche.
son besoin de luxe, son désir de paraître se manifeste, notamment, on l'a dit, dans la manière de se vêtir, de se mouvoir en société, mais aussi dans l'intimité, chez soi, en prêtant attention à la décoration. Il est de bon ton, sous l'Empire, de suivre les dernières tendances en matière d'ameublement. Et encore une fois, dans ce domaine, nos deux architectes Percy et Fontaine déterminent la mode. Ils aménagent à la demande de l'empereur son château de Malmaison, les différents palais impériaux, Fontainebleau, Compiègne et Saint-Cloud, ainsi que sa résidence officielle, le palais des Tuileries, aujourd'hui détruit. Ils dessinent entièrement des projets de décoration, incluant des meubles, des pièces d'argenterie, des textiles, etc. On retrouve dans ces aménagements, une fois encore, leur goût pour l'antiquité. Des formes solides, géométriques et monumentales. Et des symboles décoratifs de prestige. Victoire, fortune, couronne de laurier et trophée. Les dessins du peintre David influencent également l'évolution des arts décoratifs. Sa commande à l'ébéniste Jacob dès 1784 d'un mobilier à l'étrusque pour son atelier d'artiste prouve que le développement du style empire est en réalité le fruit de certaines recherches réalisées au sein d'un petit cercle d'artistes avant même le début de la Révolution. Et tous ces aménagements intérieurs dans le style empire, la nouvelle cour impériale a l'occasion de les voir lors de grandes réceptions données par l'empereur. Par imitation, cette nouvelle aristocratie réaménage dans le même style ses anciens hôtels, hôtels situés dans le faubourg Saint-Honoré ou encore dans le faubourg Saint-Germain. Et l'hôtel Récamier, à Paris rue de Mont-Blanc, est sans aucun doute l'un des plus célèbres. Cet hôtel est même sous l'Empire considéré comme une véritable curiosité parisienne que tous les provinciaux et étrangers se doivent de visiter lors de leur séjour dans la capitale. Et ce, car la maîtresse des lieux, Juliette Récamier, en faisant appel à l'architecte Louis-Martin Berthaud, a fait le choix de la modernité en adoptant très tôt ce nouveau style. Sorte d'influenceuse de l'époque, très sûre de ses goûts dans tous les domaines, Juliette Récamier est même représentée dans le journal des Dames et des Modes. Il s'agit de la première revue de mode publiée en France et qui emporte un grand succès sous l'Empire. D'ailleurs, Napoléon lui-même recommande à toutes les dames de la cour de lire assidûment cette revue, car il souhaite que sa cour soit fastueuse. Les femmes de la cour impériale se doivent de porter, lors des cérémonies officielles ou bien lors des bals masqués, des robes parées, décolletées à taille haute sur une jupe longue richement brodée. Elles se couvrent également de bijoux, de parures, de diadèmes, et passent ainsi de nombreuses commandes auprès des maisons de haute joaillerie, Mellériot ou encore Chaumet. Les époux de ces femmes, princes, grands dignitaires, ministres et maréchaux, ne dérogent pas à la règle et font également tout lors de ces réceptions pour plaire à l'empereur. À ces occasions, on danse le quadrille ou encore la valse, en suivant l'orchestre. On s'amuse dans une ambiance très parfumée. On trinque aux récentes victoires militaires de Napoléon. Car oui, l'Empire ne cesse de s'agrandir. On a enfin confiance en l'avenir. Mais cette période d'accalmie, d'insouciance, prend brusquement fin suite, paradoxalement, aux défaites militaires de Napoléon qui signeront la chute de l'Empire. Il faut toutefois retenir que sur le plan des arts, Napoléon demeure sans doute le dernier monarque mécène que la France ait eu. Vous avez écouté Antiquôme. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager ou à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.